pionnière, il s'agit de l'homme que l'initiative a qualifié de traître. Son ami est à la recherche d'éléments prouvant qu'il est parti contre son gré. Transmets l'enregistrement à Tan. Le moins qu'on puisse faire, c'est laver son nom. D'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Allez, il faut qu'on trouve la pièce de technologie pour Phoebe. Je vérifie ce conteneur. Vide, mais il y a un datapad. Avec un message pour nous, on dirait. J'espère que mes gars vous auront fait baver. Mais vous êtes trop lente, pionnière. J'ai ce que vous cherchez. Je vous retrouve à Port Kadara, vous et votre Asari. Vous pouvez m'acheter ma place. Terminé. Phoebe a besoin de cette Trolitech. Bon, je crois qu'on a rendez-vous avec un hors-la-loi pénible qui se prend pour notre rival.
Pionnière ? Pionnière, je me sens pas vraiment dans mon élément. Et en plus, venir ici me fait encore plus détester Tan. Ces gens étaient des nôtres. Notre mission, c'est de trouver un foyer pour tout le monde, Kadara comprise. Content de l'entendre. On les a exilés sans rien et ils ont construit tout ça. On doit les avoir avec nous. Génial. Je commençais à croire que personne s'arrêterait. J'ai besoin que vous transmettiez un message. S'il vous plaît. Dites-moi d'abord pourquoi on vous a mis en cellule. J'ai peut-être un peu trop bu. Et j'ai pissé sur un des gardes. Comment ça, peut-être? Mes potes puent encore la pisse. J'ai toujours eu l'alcool mauvais. Quel genre de message? Rien d'illégal. C'est juste un truc à dire à ma copine. Elle doit être morte d'inquiétude. Très bien. C'est quoi le message? Ma copine Silé, elle bosse au Tartarus. C'est la Sari la plus magnifique qui existe. Une peau bleue comme l'océan, des yeux comme... Jim, le message. Ah, ouais. Dites-lui qu'il y a eu des complications, mais que j'aurai bientôt les crédits pour payer les frais de protection de Sloane. Dites-lui de m'attendre. Oh, et puis évitez de lui dire que je suis en taule. Merci. Vous attendez que ce Krogan se pointe? Il faut que je lui achète cette relitech. C'est ce qui me manque pour améliorer mon scanner à reliquat. On n'arrête pas de le croiser sur les sites qu'on vise, lui et sa bande. Ça peut pas être une coïncidence. À mon avis, ils nous suivent. Comme si on avait besoin d'une bande de parasites. Quand on fait des choses intéressantes, ça attire forcément l'attention. Ryder, répondez! On a un problème! Je vous écoute, Kalo. Il y a eu une intrusion. Quelqu'un s'est introduit dans les quartiers de PB. Son robot a disparu. Peck ? Mais comment ça a pu arriver ? Je sais pas trop. Cette personne savait ce qu'elle faisait. Elle a laissé une relitech plutôt impressionnante et un message enregistré. Je vous le transmets. Ryder, ici Kalinda Terev, là. En quels termes Pelessaria parle de moi, ces temps-ci ? Bref, remerciez-la de ma part pour le robot. Je suis sûre que la relitech que mon équipe a laissée sera une compensation adaptée. Au fait... Pas la peine d'attendre Granite, mon ami Krogan. Sa bande dehors la loi travaille pour moi. Bye bye. Mais merde! Elle va pas me lâcher la grappe! Vous étiez ensemble, si je comprends bien. Pourquoi? Vous trouvez qu'elle a fait une fixette? C'est ça? Pour terminer mon scanner, je dois accéder à l'appareil de stockage qui se trouve à l'intérieur de Peck. Kalinda a toujours semé la pagaille. Elle ferait tout pour gagner en statut, et si possible en richesse au passage. Désolée que vous vous retrouviez mêlée à ça, Ryder. Mais vous en faites pas, je vais régler ça toute seule, c'est promis. Hé,
Vous pouvez compter sur moi, d'accord? Merci. Dès que j'ai une piste qui permettrait de récupérer Peck, je vous préviens. Cette garce m'a volé mon robot. Il semblerait que la fête batte son plein. Monsieur Vidal vous a demandé de le rejoindre à l'entrée. Stop. C'est une soirée privée. Ryder, pionnière humaine. Je ne suis pas n'importe qui. Y a pas de Ryder sur la liste. Elle est avec moi. Reyes Vidal. Allez-y. Reyes Vidal. Je commençais à croire que vous ne viendriez pas. J'aime faire des entrées remarquées, vous vous souvenez? Chut! Présentez-moi donc votre camarade. Pionnière, voici Kaema Dorgun, représentante des Angara auprès de Sloan. Et une amie. Une amie? Je pensais que Reyes n'avait que des collègues ou des contacts. Oh, je suis tout ça aussi. Qui lui a déniché une invitation à cette soirée, à votre avis? J'espérais bien qu'il vous inviterait, pionnière. Il ne parle que de vous en ce moment. C'est vrai? Désolé de vous interrompre, mais je dois m'occuper de quelque chose. Vous m'abandonnez déjà? Je ne serai pas long. Il y a des gens importants ici. Vous devriez les rencontrer, faire bonne impression. Vous traitez tous vos rencarts comme ça ou je suis privilégié? Je me ferai pardonner. C'est promis. Le voilà parti. Vous savez ce qu'il manigance? Mieux vaut ne pas trop s'inquiéter de Reyes. Profitez plutôt de la soirée. Alors, Ryder, c'est un plein cruste. Pour une fois qu'il y a buffet et bière à volonté dans Helios, fallait que j'en profite. Ouais. Ne vous faites pas remarquer. Sloan va faire passer un sale quart d'heure. Ravi de vous revoir, pionnière. J'espère que vous ne voyez pas les miens d'un mauvais œil à cause de ces pirates. Aucune inquiétude, Ryder. Je ne suis pas du genre à faire des généralités. Vous, je vous aime bien. Je reste partagée quant à vos supérieurs, mais j'ai appris à considérer toutes les options. On ne sait jamais qui risque d'être au pouvoir. Exactement. En quoi consiste votre rôle de représentante Angara auprès de Sloan? Je suis là pour donner à Sloan le point de vue des Angara. Elle vous écoute? Seulement dans les cas extrêmes. Elle se proclame pro-Angara, mais elle fait passer les insurgés avant tout le reste. Elle organise ses fêtes pour Amadou et les miens. Mais un jour, ça ne marchera plus. Comment vous avez connu Reyes? De la seule façon possible. En faisant affaire avec lui. Ces talons sont très précieux à Port Kadara. Vous faites partie de la Résistance? Non. J'échange des informations avec Ephra. Mais Kadara reste ma priorité. Si les insurgés et le collectif se déclarent la guerre, c'est mon peuple qui en fera les frais. Vous n'auriez pas vu Reyes? Non, mais je suis sûre qu'il ne va pas tarder. Il vous aime bien. C'est l'impression que j'ai eue. Lui qui se croit si subtil. C'était un plaisir de vous parler, Kaema. Pour moi aussi, pionnière. Vous êtes en train de jouer? On essaie. Ce crétin n'arrive pas à se décider entre père et impère. Vous, vous avez l'air chanceuse. Je choisis quoi? Jouer père. Compris. Père! Félicitations.
Oh putain, j'ai gagné! J'ai gagné! Ne flambez pas tout. Je voudrais un verre. Comment s'appelle mon bar ? Hein ? Vous voulez un verre ? Vous répondez. Le champ de Krala. Mauvaise soirée ? J'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû dire. À une femme. Langara, ça fait des semaines que je prépare cette soirée. Je me suis même limé les griffes. Et je foire tout, même pas deux secondes après avoir franchi la porte. Je suis sûre que vous trouverez le moyen d'arranger les choses. Vous savez pas ce que j'ai dit. Nola a une sœur. Disons qu'il est possible que je les ai comparées l'une à l'autre pour rendre Nola jalouse. Oh, quelle idée. Bon, vous vous êtes fourré dans un sacré pétrin. Mais tout n'est pas perdu. Expliquez-lui que vous lui avez dit tout ça parce qu'elle vous plaît et que vous êtes un crétin. Vous pensez que ça va marcher ? C'est toujours mieux que de vous apitoyer sur votre sort. D'accord. Souhaitez-moi bonne chance. Pionnière, en voilà une surprise. Sloane, ben alors, je croyais qu'on était amis. Eh bien, vous êtes fixée maintenant. Un petit verre ? Non. Reyes, vous êtes passé où ? Aucune réponse. Il me semble néanmoins qu'il s'est dirigé vers l'une des salles attenantes à votre arrivée, pionnière. Allons voir ce qu'il mijote. Les numéros de série ne sont jamais au même endroit. Venez passer une soirée sympa, il y aura à boire. J'aurais dû me douter que ça cachait quelque chose. Ryder, c'est pas ce que vous croyez. Donc vous ne vous êtes pas servi de moi comme diversion pour fouiller dans les affaires de Sloane ? Bon, d'accord, si. Mais c'est dans notre intérêt à tous les deux, promis. Vous en faites beaucoup, des promesses. Merde, voilà quelqu'un. Une diversion, vite !